pas mal du tout. Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Ratchet & Clank Rift Apart. Évidemment, toujours sur PlayStation 5, comme d'habitude. Un casque ou des écouteurs, un petit truc à boire et à manger. On va se retrouver une bonne demi-heure ensemble. Désolé d'avoir mis autant de temps pour vous sortir cet épisode. Pour ne rien vous cacher, je vous ai jamais rien caché, évidemment. J'ai fait une intoxication alimentaire, voilà. Alors attention, je vous vois arriver à 2 km. Les gens qui disent, non, mais une intoxication alimentaire, c'est rien. Alors ne confondez pas intoxication alimentaire avec une indigestion ou autre. J'en ai parlé et on en a rigolé en live. Une intoxication alimentaire, je peux vous dire que c'est tout sauf drôle, réellement. On a vraiment l'impression de crever de l'intérieur. Tous ceux, seuls ceux qui ont vécu une vraie intoxication alimentaire comprennent la douleur que j'ai eue. Bref, peu importe, on n'est pas là pour se plaindre. Maintenant, je suis de retour et en forme, s'il vous plaît. Alors, n'oubliez pas qu'on devait améliorer mon lance-roquette. Sa manière à lui de te féliciter. Je me passerai de ses félicitations. Alors, on a un raritarium. Je vais essayer de fouiller à gauche à droite sur un malentendu, non? Ok, attendez, j'ai peut-être une idée. Ratchet, et ben voilà, il n'y avait même pas besoin. Je suis juste le meilleur. Alors, capitaine, quoi? Dis-moi un peu ce qui t'amène. Vous êtes... en danger. L'empereur a un... Dimensionnateur. Vous êtes au courant? Ah, ah, on l'a mis sur écoute. La plus grande victoire des pirates. Alors, en fait, c'est plutôt lui qui est en danger. On pourrait prendre l'empereur de vitesse avec ça. Ça? Mais c'est mon visage. Mais vous n'êtes pas un robot. Hein? Tu oses? Donc vous l'aurez compris, c'est l'alter ego du capitaine Quark dans notre dimension. Cette dimension a un Quark? Quark? Je suis Quantum. Capitaine Quantum. Meurtrier. Non, c'est moi. C'est bien moi, Quantum, vous voyez. Vous allez payer pour avoir ainsi déshonoré la tête de notre capitaine. Tous les deux. Non. Ok, eh ben écoutez, on va essayer de taper directement. Ah là, ça dégage. C'est bon, c'est fait. Voilà, hop, ça c'est fait. Ah ouais, mais putain, on est direct face à un boss. Et comme disait Calogero face à la mer, hop, ça c'est fait. Ça c'est fait, ça explose très très vite. J'ai pas le temps pour ces conneries, moi, les potes. Alors, bougez pas. Parce que ça, là, les potes, ça peut régaler. Regardez bien ce qui va se passer, ça va se mouiller, je vous le dis. Bah ça va pas se swinguer parce que bah y'a rien en fait. Qu'est-ce que c'est que ces conneries là-haut les gars? Ok. Je me suis fait carotte là les gars. Oh là là, c'est dur. Ok. Et ensuite. Oh là 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 là. Ok, du raritarium ça par contre, bien sûr qu'on prend. Ok. Bon, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, ça c'est un classique, le zigzaton, ça marche à tous les coups contre les gens en armure. Ok, là je vais avoir besoin de full sentimental, de full contrôle. Oh non, c'est terrible. Voilà. Ah. Il n'en reste plus qu'un. Ok. Quoi d'autre?
Ça ne sert à rien. On visite un peu. Ok. À vous de me bon. Dire. Est-ce que c'était le dernier? Eh bien, si j'étais leur capitaine, je rassemblerais mes matelots pour lancer une contre-attaque. Mais je ne le sais. Alors, qui sait? Ça ne me dit rien qui vaille. On sera bientôt prêt à décoller. Ok, ça va se mettre au poste de commande supérieure pour activer les propulseurs. Ça va se mouiller. Ok. Oh, liberté! Liberté! Oh non! La planète est à notre os ou quoi? N'essayez pas de me faire la peau! Je serais tellement ému en ce moment! Encore un petit peu et on sera bientôt à puissance maximale! Où va donc ce vaisseau? Oh là, imaginez les œuvres qu'ils peuvent faire! Avec cette qualité quand même, putain, c'est incroyable. C'est parfaitement exécuté en plus de ça. Ah, c'était un bon projet. Tu vas payer pour ce piano. Ok. Alors, ça c'est fait. Le zigzag, disco zigzag, c'est en cours. On est plutôt pas trop trop mal en vrai pour le coup, on va utiliser ça. Ok, j'en ai plus malheureusement, et puis on va utiliser le téléviseur. Et comme ça on aura tout amélioré comme il faut. Ça c'est fait. Aucun sous. Ok. Ça c'est fait. Pour l'instant, tout se déroule à peu près comme prévu. C'est pas vrai. Oh, c'est beau ça. Oh là là, c'est beau ça, bien sûr. Stop, stop, stop. Oh là là, le monstre. Ok. Maintenant, puis comment? What? Ok, on est accroché direct à un de leurs bateaux volants. Ça va me lâcher où cette connerie là? Ok, d'accord, ça va me lâcher juste ici, pas de soucis. Yo les gars, ça va ou quoi? Alors, ça monte tellement lentement quand même le dernier level là. Assez terrible. Assez terrible, on est bon. Ok, en fait, j'érige le laser. Le rayon pilleur est désactivé. Et ben voilà. Aucun sous. Et on fait comment maintenant, les potes? Oh, c'est tellement stylé ce level, en vrai. Je m'y attendais pas pour le coup. Hein. Est-ce que ça vous dirait de rejoindre mon nouvel équipage? Je fournis le chapeau. Merci, mais je crois vraiment qu'on devrait d'abord filer en vitesse avant que les pirates ou l'empereur rappliquent. L'empereur? Il n'y a aucune chance qu'il arrive à s'approcher de moi. Ok. On est prêt à décoller. Activation de tous les propulseurs. C'est pas fini. C'est pas fini. Il y a une faille là-haut. Ok, bougez pas. Non, ça va pas là-bas. Si, ça va là-bas. Non, ça a pas l'air d'aller là-haut. Cet énorme canon gigantesque. Ça va nous expédier droit sur Pokitaru. Il faut le désactiver. Ok. Vache. Nous devons neutraliser le sabordeur au plus vite. T'as raison. Je suis là, je tape le bail. Ok. Oh la vache.
C'est tendu. Et de 1. Mon ref, toi, tu vas prendre pour les autres. Ok, et de 2. Allez, hop, niveau supplémentaire. Let's go. Niveau 4, le bâton guerre. Ça, c'est bon pour l'arène, ça. Moi, je pense qu'à l'arène. Let's go. On les a détruits sans aucun problème. Bon. Alors, attendez. C'est quoi, ça, ce problème? Ok. Ah, ça s'arrête pas de tirer, en plus, hein. Ça ne fonctionne pas. C'est ce que je pense. Oui, j'en ai bien peur. Ok, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai appelé Bundle. Ah, c'est la pierre. Quark, c'est aussi un pirate dans la dimension d'où tu viens? Non, c'est un héros. Enfin, il lui est arrivé de nous trahir, de capituler pour sauver sa peau, de voler notre gloire. Oh, c'est un héros? Eh bien, il a beau avoir l'habitude de se défiler, il est toujours là quand on a le plus besoin de lui. Je crois qu'il fait de son mieux. Les dimensions sont en train de s'effondrer. L'empereur est devenu tout-puissant, et ma vie est en danger. C'est le moment idéal pour me reconvertir. Votre heure. Ah, sonné. Qu'est-ce que vous faites? Un truc de héros. Quantum nous a sauvé la nuit. Yeah. C'est dingue. Nous devons le dire à Rivette et Kit. Oui, dès qu'elles en auront fini sur Sargasso. J'espère. Mission supplémentaire disponible. Eh, c'est incroyable comment le jeu il est fondant, croquant. Allez, on est parti. Le va-t'en guerre, ça va swinguer. Augmente la quantité maximum de mun. Ça, je veux mon neveu. Augmente la zone d'effet. Hop. Et les impacts directs infligent plus de dégâts. Ça, c'est fait. Maintenant, hop. Ça augmente la cadence de tir. Ça va être incroyable, littéralement. Là, je pense qu'en vrai, on peut déjà tâter l'arène, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Les impacts infligent plus de dégâts. Je pense qu'on peut déjà tâter de l'arène, à mon humble avis. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Augmente la quantité, augmente la taille du cône d'auto-ciblage. On est à peu près sur les mêmes trucs. C'est quoi ça par contre? Augmente la quantité de munitions récupérées. Augmente la distance à laquelle les lames peuvent détecter la cible avant un rebond. C'est pas mal non plus ça, vous en pensez quoi? On va attendre. On va attendre, les amis, direction l'arène avec le nouveau va-t'en guerre qu'on a eu, qu'on a bien amélioré. J'ai hâte de voir si on va pouvoir faire cette arène avec l'amélioration de cette arme. Une nouvelle mission est d'ores et déjà disponible. Il y a le poste avancé. Rivette et Kit doivent donc aider les Morks à repousser l'invasion. Et il y a Ardolis. D'après les rumeurs, les pirates conservent une carte au trésor universelle dans la taverne. Donc, c'est là où nous sommes. Ok, on va pas aller tout de suite à Sargasso. On va déjà, avec Rivette, tenter l'arène en moyen. Ça nous fera une petite pause parce qu'on est déjà en milieu de vidéo. Mais c'est tellement fondant croquant, les amis, ce jeu. Je kiffe de ouf, vraiment.
C'est typiquement le jeu de l'été, ça nous tient quasi tout l'été, j'adore. J'adore, j'adhère, j'espère que vous aussi, même si vous n'avez pas un épisode tous les jours, mais bon, si vous auriez eu un épisode tous les jours, ça serait déjà fini depuis 2 ou 3 semaines. Est-ce que c'est bien? Je ne sais pas. Allez, on est parti. Direction l'arène, on va essayer de pas tomber, ce serait quand même fort dommage. Excusez-moi. Oh là là, la vitesse est tellement plaisante, 70 FPS. Allez! Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien par ici. Direction, direction l'épreuve, Vatanguerre, c'est où? C'est là. Et là, c'était verrouillé parce qu'on avait tout réussi sauf le Vatanguerre. Let's go! Là, cette fois, je pense que c'est là-bas. Il faut que j'en tue combien? Non, faut juste que tout je les tue, je crois, c'est ça? Je sais plus exactement. Allez, allez, let's go! Let's go, let's go, let's go! Ok. Ok. En plus, c'est un peu auto-guidé. Voilà. Vague 1 terminée. Ah merde, c'est que la vague 1, putain. Et j'avais même pas réussi la vague 1. Oh, c'est dur. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre là, les amis? Ok. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça c'est fait. La vache, j'ai déjà plus de balles. C'est Kandax. C'est Kandax. Allez, 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 let's go, on récupère. Excusez-moi, monsieur. Au revoir. Allez, vite, 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 vite. Ok, let's go, ça c'est fait aussi. La vache. Ça c'est fait aussi. Oh oui, il a pas été dans l'autre dimension, j'ai le sum. Mon sum se consume. Ok. Tellement mieux le nouveau Vatanguerre. Okay. Et ben voilà, une bonne chose de faite encore une fois. Ok. On a eu très très chaud. Ok, on va prendre tout ce qu'il y a là-haut. Bien joué. Ok. Oh les salauds. Ok. Vache. Oh les salauds. Oh non, je vais mourir. Non, si près. Oh là là, ça va être chaud. Ça va être très 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 chaud. Non non mais attends, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? On est reparti, let's go. On va y arriver, on va y arriver, j'ai confiance. J'ai entièrement confiance. Ok. On va tout casser ici. C'est pas mal. C'est pas mal non plus. Voilà, on va essayer de faire en sorte de toujours avoir le maximum de munitions. Je pense que c'est le meilleur move à faire. Quoi? Non, c'est pas vrai, ça c'est injuste. Ok. Ça c'est fait, vague 2. On est pas mal. On est pas mal, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà. On
n'est pas mal du tout. Ok. Let's go. Ok, ça c'est fait. Oh là 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 là, c'est terrible. Allez, les munes, les munes, les munes, les munes. Non! Wouh! Ok. 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 Let's go. Let's go. Ça, c'est fait. Quoi, c'est pas fini? C'est pas fini. C'est pas fini, le choc du joueur français. Ok. J'avais crié victoire trop vite. On a eu chaud. Ok, ça c'est fait. Vaincre Skolo, l'astropode cette fois-ci. On est parti, on a une armure et on va pouvoir après entamer le mode difficile de cette arène. Il risque d'être très 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 compliqué. Ok, ok, ok. Ah oui, effectivement, il est plutôt balèze. Ok, bien wesh. Quoi? Très bien joué. Ouais. Attends. Ok. Maintenant, on va prendre quoi? Qu'est-ce que j'ai qui tabasse plutôt pas mal le disposage en fait? Si on peut l'améliorer, le disposage, pardon. Ça, ça peut le faire, non? Heureusement que j'ai mes bottes sûres. Heureusement que j'ai mes bottes sûres. Ah, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué. Le rayon, il met un tout petit peu de temps à décoller. Ok. Voilà. Ensuite, on va faire quoi? Grand collisionneur de ses morts. Ok, bien wesh. Mais pas du tout, ça c'est nouveau, ça vient de sortir. Oh là 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 là. Oh mais non. Mais non. C'est l'explosion d'un robot qui m'a... C'est tellement injuste. Oh non, c'est tellement injuste. Je reconnais, ça c'est Kata. Oh là là. Non, c'est pas. Faut pas abuser là, les gars. C'est pour moi ça. C'est pour moi cette victoire là. N'abusez pas, s'il vous plaît. Let's go. Let's go! Allez! Carbonoxevo! Plastron! On a chaud, on a très 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 chaud. Pas évident celui-là, hein. Pas évident. Et il reste l'or évidemment à déverrouiller. Les amis, on est parti pour la suite de notre aventure. Direction la toute nouvelle planète avec Rivette cette fois-ci. On récupère, on reprend notre aventure avec Rivette. On va aller s'équiper de nouvelles armures aussi arrivées sur la nouvelle planète. On va faire pas mal de petits trucs de raisin, pas, n'est-ce pas? Et on s'en est très très bien sorti encore une fois. Le disco zigzag, pas ouf. Par contre, j'avoue que le tonnerre, même les plus gros boss, les stuns, quand même assez incroyable. On a eu très 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 chaud. À mon avis, en difficile, ça va être assez compliqué.
On a Savali, on avait des trucs à récupérer. J'ai entendu parler d'un moine qui cherche des lombax sur Savali. Ok. Quête secondaire et chasse au trésor facultatif. D'après les rumeurs, les pirates conservent une carte au trésor. Je me demande si Ratchet en a trouvé un. D'accord. Il y a des petites quêtes secondaires à gauche. On va faire Sargasso quand même. Et après, on reviendra peut-être en plein milieu de Sargasso, faire les quêtes secondaires. Dites-moi en commentaire. Horrible. Et maintenant, il a le dimensionnateur. Nous réussirons à sauver tes amis. Alors, si on part du principe que Ratchet est mon double dimensionnel et que Clank est ton double dimensionnel à toi, on est censé faire équipe, nous aussi ? Ils ont l'air de bien s'entendre ? Ouais. Mais moi, j'ai plus l'habitude d'être toute seule. Moi aussi. Peut-être que c'est juste temporaire. Obligé de se bagarrer? Et si on en discutait plutôt autour d'une bonne limonade? Non! L'empereur méprise la limonade. Rien ne devrait être à la fois acide et sucré. Ces types vont me le payer cher. Personne n'a le droit de s'attaquer aux morts. L'empereur est vraiment abominable. Ouais, mais attendez, là, comme ça, là, d'office. Bon, juste avant de commencer... parce qu'on attaquera cela au prochain épisode. On va un peu checker ce qu'on a en nouveauté parce qu'on a pas mal enfin de tenues complètes et ça c'est cool. Ça réduit de 20% les dégâts, 10% de boulons gagnés. C'est pas mal ça en vrai. Vous en pensez quoi? Et là qu'avons-nous là? Oh, Captain Starfield, 5% d'XP supplémentaire. Donc 5% d'XP, on prend, ça me paraît pas mal. Je l'avais déjà d'ailleurs, de toute évidence. 10%, on prend. 10% de boulot en plus. Ok, on est bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est quoi qu'on avait déverrouillé? On a l'intégralité du méca pirate, mais ses bonus, c'est pas fou. On a les sbires de Nefarious, quoique ça peut être utile vu qu'on affronte Nefarious. On est plutôt pas mal. Niveau objet à collectionner, qu'est-ce qu'on a? Donc ça, c'est avec tous les boulons en or qu'on a déverrouillés, augmenter la taille de la tête. Bon, c'est des petits bonus sympas, musique pack, voilà, pack photo, boîte à confettis. On avait déjà fait un tour là-dessus. On avait déjà fait largement l'horizon de tout ce qu'il y avait à déverrouiller. On est plutôt pas trop dégueu. On va faire... quelques petits kills. Je rappelle que... Oh mais non, mais qu'est-ce que je suis con? Attendez, excusez-moi, c'est totalement de ma faute. Je rappelle que... What? On m'a volé? Oh non, attendez, on m'a volé. Ça, le va-t-en-guerre, c'est là. Voilà. Hop, le va-t-en-guerre est déjà bientôt level 5. Et ça, c'est plutôt cool. Donc on va essayer de le mettre level 5 dès maintenant. Ouais, le va-t-en-guerre, il rigole 0. Hein. Je peux vous dire que j'ai hâte de voir le boss du mode difficile de l'arène. Vache. Avec le dimensionnateur, et ben voilà, va-t'en guerre de niveau 5 au max. Et le zigzaton, on va essayer de l'améliorer au maximum, évidemment, toujours se faire un petit plaisir. Et ben voilà, encore. Allez, ramène. Ramène ta pêche, je vais m'occuper de toi. Regardez. Ça va être fait très vite, ça. J'ai dit, ça va être fait très vite. Merci. Bon, plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Les amis sont sains et saufs. Oh, merde. Ouais, pour l'instant. Allons parler à Mork pour savoir ce qui se passe. Alors, avant de parler à Mork... On prend le Raritarium par ici. On prend ceci. On va chercher les boulons à droite, n'est-ce pas? Oh, merci. Et on va récupérer
et parler à Mork. Allez, on n'a pas trop le choix. Oh, Rivette, tu as encore été obligé de nous sauver. Mais on a essayé de résister, on a réparé l'astropode et tout. Mais un de ces machins choses dimensionnels violets l'empêche de décoller. Premièrement, rien de tout ça n'est de votre faute. Deuxièmement, on va s'occuper de ce machin chose. Levez les plateformes! Ah, au fait, elle, c'est Kit. Salut, Kit! Les amis de Rivette sont aussi nos amis. Bonjour, c'est Ménard, le robot à tout faire des Morks. Il nous conduira à l'astropode. Ok, alors, avant d'y aller, les amis, on va s'arrêter là, déjà. Mais on va voir un petit peu ce que donne... Oh, le fléau cosmique! Mais rien que le nom, il a l'air giga badass! L'amour? L'amitié? Non! C'est cribler ses ennemis de centaines de balles! Encore! Encore! Et encore! Le fléau ok, d'accord, c'est une sulfateuse. Une ok, ça doit être un bordel une fois amélioré. Mais ok, une fois amélioré, ça a l'air d'être un bordel. Hop, c'est acheté, hein. Ça, j'en ai rien à péter. Quoique... Oh putain, mais c'est vrai, il y a le Snipes. N'hésite pas, Trésor. Oh. C'est une super affaire. En vrai, est-ce que j'ai besoin d'améliorer mon... Le pacifiste. Ah là 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 là. Augmente le nombre de micro-roquettes de 1. Vas-y, allez, vas-y, c'est pas grave. C'est pas... Au diable l'avarice, les amis, on vit qu'une fois. On vit qu'une fois, mais c'est vrai que t'as envie de voir toutes les armes une fois améliorées quand même. Let's go, ça c'est fait. Il va pleuvoir des roquettes. Ok. Merci de ta visite, mon trésor. Bon, on verra quand il y aura des ennemis parce que là ça me dit rien. Ça on achète. Et ça on achète, on n'a pas le choix les potes. Oh là 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 là, je suis tout excité à l'idée de voir ce qui va se passer. Bon, ça c'est fait. Alors voilà ce qu'on va faire. Regardez bien les amis. Le fléau cosmique, on le met tout en haut. Le snipes, on le met tout en bas. Ça, on le met à gauche. Et zigzag, c'est pas faire, on le met à droite. On a plein de nouvelles armes. Oh là 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 là. On a plein de nouvelles armes à améliorer. Ça va être incroyable. Ça va être trop stylé. J'ai vraiment hâte. Allez, n'oubliez pas de j'aimer le commentaire. A bientôt tout le monde. Portez-vous bien. Ciao, ciao.